Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Quimper, rencontre de Première Ligue classique, partie qui va mettre aux prises le FC Vevey United au FC Échallens Région. Toujours des matchs passionnants entre les deux clubs vaudois et on est très heureux aujourd'hui de vous le faire vivre. L'équipe d'Échallens qui occupe le cinquième rang avant cette rencontre avec ses 3 matchs et 6 points, alors que Vevey United, défait par Lancy, eh bien, totalise 2 matchs, 3 points. C'est donc un rendez-vous très important pour les deux formations, pour Échallens afin de devancer les Veveysans et puis pour Vevey afin de recoller sur le club chalensois. Une rencontre qui s'annonce passionnante. Et puis au niveau du classement des buteurs, eh bien, du côté d'Échallens, c'est une vieille connaissance hein, qui est meilleur buteur. C'est Danilo Yanigro avec 2 réussites également pour Ushun Guziminega, hein, 2 buts également. Les 2 joueurs qui ont marqué les 4 buts de leur formation, alors que du côté de Vevey, 3 buteurs, Gomis, Gonsalves et la nouvelle pépite veveysane Mebrak. Le décor est planté pour ce rendez-vous. On se réjouit de le vivre avec vous. Arbitre Monsieur Rizzi, logiquement, hein, qui a laissé jouer les Veveysans qui repartent. Gomis qui déboule sur le flanc gauche. Gomis qui va s'infiltrer dans les 16 mètres. La passe en retrait. Une passe repoussée finalement avec un cuir récupéré. Cette frappe d'Agrebi contrôlée par le portier Melvin Massil. C'était bien tenté là, de la part des Veveysans. Et joli. Hein. On parlait de la nouvelle pépite Mebrak. Gomis lui aussi. Hein. Joueur très important de l'offensive veveysane. Avec Alexandre Trabelsi là, qui repart comme un beau diable. Un ballon qui a été dégagé, intercepté par les locaux avec Dago. Ballon mis en avant, c'est bien joué. La remise de la tête avec l'arrivée de Majid Mebra, qui avait danger. Hein. Bonne prise de balle de Massi là, qui va pouvoir dégager sa formation. Vous l'avez à la pendule du stade. 10e minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match avec le dégagement du dernier rempart. À la réception, les Veveysans qui peuvent dégager ce ballon. La remise en jeu pour l'Ekiki là, qui va chercher un coéquipier démarqué. Mettre ce ballon devant lui avec Demiri. Attention, la montée de Demiri. Demiri qui a du champ hein, pour tirer, on ne l'attaque pas. Il n'en profite pas, un tir écrasé qui n'inquiétera pas le portier de Zimmermann. Reste remise en jeu là, pour l'équipe d'Échallens. C'est l'Ekiki qui va s'occuper de cette touche pour sa formation. Chercher du soutien, il en avait à côté de lui avec Wared. Finalement, ce cuir est contrôlé par Gomez Gonsalves qui va passer, c'est bien fait. Avec un crochet, un joli numéro là. Avec cette passe en retrait, le tir, oh c'est but. Superbe action. Ushun Guziminega qui marque son 3e but de la saison. Mais que dire du numéro de Gomez Gonsalves qui a passé en revue la défense veveysane et ce tir appliqué de Quentin Ushun Guziminega qui permet à son équipe de prendre l'avantage dans cette 36e minute de fort belle manière. On va venir entrer sur 6. Il va remonter balle au pied dans le rond central. Un cuir mis en avant avec une ouverture. La sortie du portier. Ouais, pas de danger. Encore une fois, malgré la présence de Gomis. Très bonne sortie là de la part de Melvin Mastil. 45 secondes, on va rentrer dans le temps additionnel avec cette remise en jeu et ouais, l'arbitre qui monte le point de pénalty. Alors est-ce que cette balle a été touchée du bras par le défenseur, l'Ekiki là? En tous les cas, l'arbitre lui n'a pas hésité une seconde et Monsieur Rizzi qui dicte le pénalty en faveur des Veveysans. On discute beaucoup côté Chalençon, on n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre, on va peut-être se faire une meilleure idée avec le ralenti, mais même si c'est le cas, j'avais vraiment l'impression que le joueur d'Échallens retirait son bras hein, plutôt que de le mettre en opposition du ballon. Mais l'arbitre a pris sa décision. Et semble-t-il, c'est Gomis qui va se charger de ce pénalty. Occasion pour lui de marquer son 2e but de la saison. Ouais, grosse déception là pour les joueurs d'Échallens qui espéraient retourner au vestiaire avec un avantage d'un but. Ce sera peut-être le cas hein, si le portier Massil parvient à détourner ce tir de Louis Gomis. Pénalty de la 46e minute. On est dans le temps additionnel depuis maintenant 24 secondes. Gomis qui s'élance et qui le transforme magistralement ce pénalty. Il est superbe. Ce tir dans la lucarne qui permet à Vevey United de revenir à la hauteur du FC Échallens Région. Au pire moment pour les Chalençons, au meilleur moment pour les Veveysans, c'est un partout. Alors que la mi-temps va intervenir dans quelques secondes.
Le coup d'envoi de la seconde période, c'est Rushen Guzyminega, le premier buteur, hein, qui donne le coup d'envoi pour sa formation. Après ça, il y a eu l'égalisation de Gomis pour les Veuvezans, un partout, un résultat somme toute logique au terme des 45 premières minutes. Et nous, on se réjouit de vivre la seconde période avec vous. On vient de découvrir Gomez il y a quelques instants, là, Gomez Gonçalves, qui nous a fait un superbe numéro sur le premier but marqué par Echalon dans cette partie. Et une partie qui reste bien évidemment totalement ouverte entre les deux équipes avec une remise. Ce ballon contrôlé par Rushen Guzyminega qui peut centrer. Attention à la reprise, un ballon qui échappe à Gomez Gonçalves, mais pas à Cédric Zimmermann. Un ballon récupéré, contrôlé hein, par les Veuvezans qui peuvent relancer la machine. Quenou, puis remis en avant. Attention avec le contrôle de ce cuir. Mais Brock, oh, superbe! Ouais, ce ballon qui a failli échapper au défenseur, qui lui a échappé finalement, Mebrak, petite balle piquée. Et quelle claquette de Melvin Mastil qui met ce ballon au corner. Quelle occasion pour Vevey United de prendre pour la première fois du match l'avantage. On n'est que dans la deuxième minute de cette seconde période et c'est l'auteur de ce geste habile, Mebrak, là, qui effectue le coup de coin avec un ballon repoussé par la défense. Ça sort une nouvelle fois en corner, nouvelle occasion là pour l'équipe de Christophe Kachili de venir inquiéter le dernier rempart chalensois. Ballon qui est parti avec une reprise de la tête et un ballon qui va finalement passer par-dessus elle qui peut repartir. Un ballon mis sur le pied d'Adam. Adam qui vient à côté de lui. Le 1-2, Demiri, Adam qui met encore une fois devant lui. C'est bien joué. Trabelsi avec cette ouverture flanc gauche. Quenou. Le centre de Quenou. La reprise de la tête. Il est superbe ce but. Quelle réussite d'Aziz Demiri sur une action collective de très grande classe. Et finalement, cette tête mise au deuxième poteau du but de Zimmermann qui ne peut que constater les dégâts. Quelle jolie phase de jeu. Ils ont été, je crois, 5 à toucher le ballon pour finalement assister à cette réussite splendide qui permet à Echalon Région de reprendre l'avantage dans cette 9e minute de la deuxième période. Le geste est somptueux, hein. Très appliqué cette frappe de la tête de Demiri qui marque pour l'occasion. Son premier but de la saison en faveur des joueurs d'Echalon Région. En confiance, Demiri après son deuxième but. Là, son premier personnel, mais le deuxième de son équipe. Et attention à ce coup franc de la 11e minute de la deuxième mi-temps. Le ballon qui est parti, Samandjo qui détourne. Ouais, c'est d'une petite claquette que Zimmermann parvient à mettre ce ballon au corner. On les a vus discuter, les deux joueurs d'Echalon, là. Finalement, ce ballon qui est arrivé sur la tête de l'homme qui était en discussion avec Demiri et action très dangereuse, hein, action du 3-1. Fallait être vigilant dans le but. Les grands gestes de Demiri pour ce coup franc, ou plutôt ce corner de la 12e minute. Demiri qui s'élance avec un ballon mis au deuxième poteau et qui va sortir finalement. Ah, il est dangereux hein, lorsqu'il monte aux avant-postes, Steve Samandjo là, qui amène vraiment le danger devant le but veuvezan. Et Agrebi pour tenter de remettre les deux équipes à égalité. On est à l'heure de jeu un peu plus hein, dans cette rencontre. Ballon, ouais, il est manqué. Il est manqué, ce coup franc, pas de danger pour le portier Mastil sur cet envoi d'Agrebi qui passe par-dessus. Attention à ce coup franc pratiquement au milieu de cette deuxième mi-temps. C'est Mebrak qui va s'en charger pour les veuvezan. Le ballon qui est parti, reprise de la tête de 6, ça termine sur le montant avec une reprise. Ouais, une position de hors-jeu, semble-t-il, effectivement. Le drapeau qui s'est levé, quelle occasion pour 6. Quelle reprise de la tête et quel manque de chance pour les Veuvezans. Les dieux sont du côté d'Echalon là, depuis quelques instants là, après ce poteau. Parce que l'équipe, grâce à cela, conserve son petit but d'avance sur l'équipe de Christophe Kachili. Bon retour pour s'emparer de ce ballon. C'est très bien fait là de la part des Veuvezans qui peuvent repartir. Saïbedine là qui conserve ce ballon. Très joli geste. Hein. Saïbedine qui met en avant. C'est bien joué. Le contrôle avec Constant Gomis. Ce but. C'est de partout. Superbe action et quelle jolie passe de Mebrak. Quelle jolie passe. Il aurait pu tirer hein, dans certaines circonstances. Là il voit son coéquipier. Il lui offre le doublé. Il lui offre le doublé à Gomis, c'est de partout dans ce match, 25e minute dans cette seconde mi-temps. Quelle partie, quelle rencontre, quel derby entre Vevey United et Echalon Région. On n'est peut-être pas au bout de nos surprises. Match de grande qualité et match très fair-play.
Ce cuir dégagé par les joueurs chalençois, le contrôle. Demiri qui met en avant. C'est bien joué, Demiri, avec ce cuir. Et la sortie, oh, du portier qui vient dégager sur son défenseur Zimmermann. On a failli assister à un but gag dans cette 27e minute. Et le portier Zimmermann, vraiment très très chanceux là, de ne pas voir ce ballon finir sa course au fond du but. Et Mebra qui va se charger de ce coup franc de partout. Pour qui la victoire cet après-midi au stade de Copé? Ballon mis au deuxième poteau, c'est sauvé par la défense. Très bien fait là de la part des défenseurs chalençois qui parviennent à sortir ce ballon. C'est Amougou qui va faire l'effort, éviter la sortie de ce ballon. Amougou qui laisse à côté de lui Agrébi, le centre d'Agrébi. Un ballon, attention, qui est mal contrôlé, repoussé par la défense avec un nouveau tir. Et un ballon dégagé mais qui reste la propriété des Vevezans avec ce décalage d'Emsabeg. Tentative de débordement peut-être à Mougou avec le centre. Un ballon qui a été repoussé. Encore une fois, quel danger. Avec 6, il y a eu contact entre les deux joueurs. Le décalage pour Mebrak. Mebrak face au défenseur. Mebrak, le tir et but. C'est 3-2 pour Vevey. Ce but marqué par les Veveysans alors qu'un joueur des Chalons Région est resté au sol. Après un contact avec son adversaire, Mebrak hérite du ballon deuxième poteau et vient tromper la vigilance de Melvin Mastil. Et marque son deuxième but de la saison pour la première fois de la rencontre. Vevey United prend l'avantage. Et de très jolie manière, hein, souvent passeur dans cette partie alors qu'on est en train de réclamer hein, du côté des Chalons. Peut-être pour une bonne raison. Toujours est-il que le but est octroyé, validé pour les Vevezans qui prennent l'avantage à 11 minutes. Du terme de la rencontre. Avec ce coup de coin en faveur des joueurs des Chalons, mené 3-2. 9 minutes, oh, avec une grosse glissade sur le corner. Ballon qui va quand même arriver dans les pieds des coéquipiers, là, avec Adam qui est revenu derrière lui. Longue transversale, long ballon de Kouenou mis sur le flanc droit. C'est bien joué, oh, superbe. Ce qui vient de faire Maradzi qui va passer. Maradzi dans les 16 de tir, premier poteau. Et Cédric Zimmermann qui bouchait son angle. Au joueur chalonçois d'exploiter ce coup franc de la 44e minute de la seconde mi-temps avec Maradzi. Ouais, facile hein, pour Cédric Zimmermann qui n'a aucune peine à s'emparer de ce ballon. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu de cette rencontre. 90e minute et Vevey United qui mène 3. Au joueur chalonçois qui met toute leur force dans la bataille pour tenter de recoller au score, venir arracher le match nul avec Maradzi. Oh, Maradzi glissade, mais qui parvient tout de même à se relever, à récupérer ce ballon. La passe à côté de lui avec un tir. Il a été finalement contré, ce cuir. Et Zimmermann qui a pu s'en emparer encore une fois. 48e minute avec un début de crampe, là. Oh, joli le geste de Maradzi. Ah, on parlait du fair play de ce match aujourd'hui. Mais regardez, c'est l'illustration, c'est l'image. Une des images qu'on retiendra, les crampes d'Emsabeg. Et pour venir... le soulagé Maradzi là, qui est venu tout de suite auprès du joueur. On sait que c'est très 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 douloureux. Et on s'en souviendra quand même de ce geste également au-delà du score, au-delà du spectacle présenté. On sait dire lorsque les choses ne tournent pas rond, mais quand c'est de cette manière positive. Bravo Monsieur Maradzi pour ce geste. On en reste à 3-2. On est à quelques secondes du terme de cette rencontre. Les derniers instants de cette rencontre avec ce cuir mis sur le pied de Gomis. Double buteur aujourd'hui. Non, pas tout à fait terminé. On a pensé que l'arbitre allait siffler la fin. Il le fait cette fois. Victoire de Vevey. La joie de Christophe Kachili et de toute une équipe, celle de Vevey United, qui s'impose dans un match. Alors, fair play au possible. Vraiment, beaucoup de fair play. Bravo aux acteurs de ce match. Succès 3-2. Victoire importante pour Vevey United. Une semaine avant d'affronter, samedi prochain à 17h30, Koenitz en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Alors qu'Echalon, de son côté, toujours samedi, mais à 17h, affrontera l'Olympique de Genève. On a eu énormément de plaisir à vous faire vivre ce match. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce succès des joueurs veveysans.